The camera's catalyst has its own history. In 1960, the sociologist Edgar Morin proposed to anthropologist Jean Rouch that they make a film looking at the tribe of people living in Paris. Ce film n'a pas été vécu par des hommes et des femmes qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma vérité. This idea to consider my concitoyens as people that you can study as you do it in anthropology was, I thought, a wonderful idea. Tu vois, Morin, l'idée de réunir des gens autour d'une table est une excellente idée. Seulement, je ne sais pas si nous arriverons à enregistrer une conversation aussi normale qu'elle le serait s'il n'y avait pas de caméra. We decided to make a film without any script, without any scenario. The only idea would be what is your life? The question would be, are you happy? Êtes-vous heureux? Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Me dis, qu'est-ce que ça peut vous foutre? S'il vous plaît, monsieur. Êtes-vous heureux? Rouch et Morin's film is an altogether different kind of documentary. Not a story of what might have happened if the camera hadn't been there, but a story of what happens because the camera is there. Pourquoi vous êtes malheureux, monsieur? Parce que je suis trop vieux. C'est vrai? Oui, 79 ans. Non. Pas par an, si. Je suis 82. Et vous pensez... n'ayez pas peur, c'est le micro. C'est un micro. It was a kind of research in which the human beings, the people we film, were not objects, they were subjects of the film, they were human beings.